Vas-y, Jean. Allô, oui. Vas-y, Jean. Oui. Allô. Oui, bon. Laurent Fournier? Oui. Oui, bonjour. Jean Gauthier de la web radio aux Villes Lumières. Oui. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Ouais, très bien. Vous êtes disponible pour une petite interview? Ben ouais, je vous ai tombé à 20h15, mais vous êtes 20h20, donc pas le temps. Ah, désolé pour le retard, hein, excusez-nous. Ouais. Bon, ben, c'est pas grave. On va aller, on y va. On fera 20 minutes alors. Oui, pour 20 minutes, exactement, tout à fait. Ok. Donc du coup, Allez. allô? Ouais, je vous entends, hein. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien, oui. Bon, ça va alors. Donc du coup, je voulais avoir un petit peu votre ressenti par rapport à la Coupe du Monde. Présente Ouais. Nicolas. Et nous sommes, nous, enfin, il y a moi-même et Nicolas et non. Donc Nicolas, tu veux poser tes questions avant? Oui, bonsoir Laurent. Bonsoir. Oui, donc d'accord, pour première question, le ressentiment sur cette victoire des Bleus? Très content parce que je pense que c'est bien pour les Français, c'est bien pour Didier Deschamps parce qu'il a fait des choix qui n'étaient pas évidents au départ. On a l'impression que c'est une équipe soudée, une équipe qui est solidaire et qui a envie de réussir quelque chose ensemble. D'accord. On va vous demander votre avis sur le milieu de terrain Cabaye, Pogba et Matuidi. Je pense que c'est la réussite de l'équipe de France. C'est le positionnement de Matuidi sur la gauche et Pogba à droite et Cabaye juste derrière eux, ça permet d'avoir une relance propre, surtout avec Cabaye qui pour moi est un joueur très intelligent, qui est capable de jouer court et de jouer long. Et au niveau du pressing, les deux devants sont impressionnants. Et ça permet à l'équipe de France de récupérer haut et de jouer rapidement vers l'avant. D'accord, on n'a pas vu une équipe d'Honduras qui nous a vraiment bousculé au niveau défensif. Est-ce que c'est la grosse interrogation pour le match contre la Suisse vendredi? Ouais, ça peut être une interrogation, mais après, les bons. Quand une équipe joue avec une telle solidarité, un tel plaisir, c'est vrai que la Suisse est meilleure que le Honduras parce qu'on a plein de très bons joueurs du côté du Honduras. Mais voilà, de gagner 3-0, ça permet de voir venir. Et puis l'interrogation, je crois que en France, il y a des joueurs confirmés. Et ils sont capables d'augmenter leur niveau de jeu. Et quand on arrive dans une compétition, je crois que le deuxième match est très important à eux de bien récupérer et de faire preuve d'humilité. Est-ce que vous voyez cette équipe de France aller loin dans la compétition et quel serait pour vous le meilleur parcours? Je dirais le meilleur, ça serait la finale. Après, c'est l'équipe qui est jeune, en quart ou demi, ça serait très bien, mais exceptionnel. Mais je sais pas, on sent bien, vu ce qu'on a vu ce soir avec le Portugal, je crois qui était peut-être un des favoris. C'est vrai que les Allemands sont impressionnants. Après, j'espère qu'ils vont continuer à monter en confiance et que ça va continuer comme ça. D'accord, ma dernière question sur la Coupe du Monde serait la polémique par rapport au but qui a été validé par un capteur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que c'est bien d'avoir la vidéo. Après, il faut que les. Il y a pas mal d'erreurs d'arbitrage. Je pense que les arbitres, il faut les aider à se mettre dans les meilleures dispositions. On a aidé les footeux avec plein de tests pour être meilleurs physiquement, en les aidant, en les de la vidéo pour être meilleurs tactiquement. Je crois que c'est une première étape vers un futur meilleur. J'espère que ça va continuer. D'accord, on va se rebasculer vers le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous avez pensé de Allez. cette saison? Ben, j'ai trouvé bien au niveau national. Après, j'ai été déçu par rapport à la Champions League parce que je crois que le but de
de Pastore a fait plus de mal que de bien au Paris Saint-Germain, parce qu'ils sont allés à Chelsea en étant presque sûrs d'être qualifiés. Et dans des compétitions comme ça, on ne sait jamais. Mais c'est une équipe qui est en progression. J'espère qu'elle va s'améliorer et qu'elle va réussir à gagner la Champions League. Après, je pense qu'ils ont manqué d'impact physique. Ce match contre Chelsea, pas à cause du Paris Saint-Germain, à cause du championnat de France. Je veux dire que, à part Monaco et certaines équipes, le Paris Saint-Germain s'est baladé. Donc, j'espère que l'année prochaine, il y aura un championnat qui sera beaucoup plus relevé pour que le PSG soit beaucoup plus performant en fait. Oui, justement, vous avez dit qu'on s'est baladé cette saison. Si on n'avait pas eu un Monaco à la hauteur où ils sont aujourd'hui, le championnat a été plié depuis plusieurs mois déjà. Bah oui, non, mais je pense que quand vous jouez le mercredi contre Chelsea et que le samedi, sans être méchant pour Reims, vous gagnez 3-0 sans marquer un but et en marchant, pour moi, non, c'est pas marrant pour le championnat de France, hein, sans être méchant, mais à. Dans les années précédentes, il y avait quand même du répondant, il y avait des équipes qui permettaient de progresser au niveau européen. Là, pour moi, aucune équipe perdait au Paris Saint-Germain peut se surpasser sur certains matchs. Quand ils ont gagné un match, ils gagnent un match, et puis c'est tout. Donc, j'espère qu'il y aura des équipes comme Marseille, comme Monaco, comme Lyon, comme Bordeaux, l'année prochaine, qui seront au niveau, et on verra une dizaine d'équipes poser des problèmes au PSG, et c'est ce que je leur souhaite, parce que si ça arrive, ils vont progresser et ils seront au niveau européen. Justement, tout au long de la saison, Laurent Blanc a eu une épée Damoclès sur lui, pratiquement. Quel est votre avis sur l'entraîneur, et est-ce que vous êtes surpris? Moi, je suis pas surpris de tous. C'est quelqu'un que j'aime bien. Parce que s'il faut se rappeler, l'année dernière, on avait parlé de Mourinho, etc., etc. Et aucun n'avait voulu venir au PSG. Donc il a pris les rênes du PSG, il a formé son milieu à trois, et on voit qu'en équipe de France, Kaba et Matuidi sont titulaires. Je pense qu'un entraîneur, il fait pas une équipe en un an. S'il peut avoir Pogba l'année prochaine, je pense que Paris Saint-Germain, au milieu de terrain, sera au-dessus des autres équipes européennes. Après, je dirais que il y avait des latéraux beaucoup plus performants et des excentrés qui soient plus adroits et qui marquent plus de buts, je pense que ce serait pas mal. On est passé en deux ans du tout au rien. Vous connaissez bien le Paris Saint-Germain pour l'avoir entraîné. Comment vous voyez ce club aujourd'hui se métamorphoser comme ça en un coup de baguette en quelque sorte? Je pense que c'est génial pour le club déjà, pour ce qui arrive au public parisien. Après, il va falloir continuer, il ne faut pas s'arrêter à ça, parce que il y a beaucoup d'argent qui est dépensé. Et quand on dépense beaucoup d'argent, l'objectif c'est d'être présent sur la scène européenne et sur la scène mondiale. Donc j'espère qu'ils vont vite réussir à gagner une Champions League, parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres grands investisseurs qui arrivent dans le championnat français, et de plus en plus ça va être dans le championnat européen, ça va être de plus en plus difficile. Mais justement, le problème des investisseurs futurs, c'est le fair play financier qui a été mis en place par M. Michel Platini. On voit que on est en train de tout mettre en sorte pour que le Paris Saint-Germain soit ralenti. Quel est votre avis, vous, dessus? Quand on est capable d'acheter David Luiz et vendre d'Alex, je pense qu'on comprend de la plus-value. Après, j'espère que le Paris Saint-Germain va s'appuyer sur une formation pour avoir des joueurs qui sont capables de suppléer les stars à des moments clés de la saison en championnat. Après, une bonne gestion de l'effectif, pas trop de blessés, va permettre au Paris Saint-Germain de réussir. Après, le fair play financier, je pense qu'en coulisses,
c'est la première recrue du Paris Saint-Germain. On a dit que la saison prochaine, on voulait des joueurs d'expérience. Est-ce que c'est un bon choix et une bonne recrue? Bah, je vous dirai après la Coupe du Monde, parce que vu le premier match, voilà, c'était le premier match de la Coupe du Monde, on l'a vu à Chelsea, c'est vrai que c'est bon, mais j'espère que l'association avec Thiago Silva, lui relanceur, l'autre récupérateur, sera performante la saison prochaine. En évoquant ce dossier-là, c'était pour venir sur Marquinhos. Est-ce que vous pensez que Paris doit le laisser partir au FC Barcelone ou le garder? Ah, je ne sais pas, on a laissé partir Paco, donc voilà, quelqu'un qui aujourd'hui est vice-capitaine de l'équipe de France. Bah, j'espère que bah, le Paris Saint-Germain va faire le bon choix. Après, c'est des choix à faire, c'est des choix d'entraîneur. On n'est pas tous les jours avec Laurent Blanc et le staff pour voir comment ça se passe. Dans les vestiaires et sur le terrain. Donc, et après, il y a un joueur qui a besoin de jouer, qui est jeune, Marquinhos. Donc, ben, à lui aussi de faire le bon choix, je pense, que de progresser, à côtoyer des grands joueurs pour lui permettre, dans 2-3 ans, d'être une superstar ou de jouer dans un très grand club. Aussi peut lui permettre, après c'est des choix de carrière. Je pense que pour une belle équipe, il faut trois centraux de niveau international. D'accord. On ne peut pas parler du PSG sans parler de Zlatan Ibrahimovic. Que pensez-vous de cet homme et ce joueur? Et est-ce que vous auriez aimé jouer avec lui? Déjà le joueur, il est exceptionnel. Je crois que depuis 2 ans, il est énorme. Il est devenu attachant, alors qu'au départ, personne n'en pensait qu'il était arrogant. Je crois que c'est quelqu'un de très bien, qui a fait beaucoup progresser l'équipe. Et on l'a vu quand il n'est pas là contre Chelsea, bah, le PSG a du mal à avancer. J'espère que pour le Paris Saint-Germain, qu'ils vont garder et qu'ils vont être dans le même état d'esprit. Et que ça se fait bien que sur le PSG, que voilà, la Coupe du Monde, parce que pour le début du championnat, il sera important. D'accord, et vous aurez aimé jouer avec lui? Oui, moi j'ai joué avec tous les joueurs. Hein. J'ai eu la chance de jouer avec Weah, Ginola. Je crois que c'est bien d'autres. Hein. C'est des joueurs exceptionnels. Je pense que tous les joueurs qui se mettent dans un collectif et qui font progresser les joueurs par leur professionnalisme, par leur travail, parce que c'est des travailleurs, c'est des mecs qui ont envie d'être tous les jours, d'être performants, c'est toujours intéressant de jouer avec eux. D'accord, Jean, vas-y un petit peu. Et du coup, moi, je voulais savoir, en fait, bon, en 97, vous avez joué en Coupe d'Europe. Et je voulais savoir, bon, malheureusement, vous avez été suspendu. Et je voulais savoir quelle erreur vous avez commis. Dis-moi, Oui. c'est pas une question que vous posez. C'est pas moi qui ai commis l'erreur. Je sais bien, je sais bien. On va pas rentrer dans la polémique. 97 et 97. Depuis 91, le Paris Saint-Germain a fait des trucs exceptionnels. Une victoire en 96, je pense qu'il faut parler des bons moments. Quand vous prenez des cartons et que vous êtes agressif sur le terrain, et ben, des fois il faut compter. Il y a des gens qui sont faits pour ça. À l'époque, toutes les compétitions étaient séparées. Il y avait la Coupe des Coupes, il y avait la Super Coupe. Avec le Paris Saint-Germain, on jouait sur tous les tableaux. Voilà, après, j'ai pas commis l'erreur et je vois pas l'intérêt de votre question. Non, malheureusement, bon, bah, c'est vrai que. Non, mais c'est une question là, hein. Sincèrement, on est en 2014,
Le PSG a battu Bucarest 3-0. Après, au moins, moi, j'ai fait des PSG, voilà. Vous l'avez toujours honoré. Toujours, toujours, toujours. Juste quoi? Vous l'avez toujours honoré, le PSG. Ah, mais j'adore le club. Ouais. J'adore tous les clubs dans lesquels j'ai joué. Donc, voilà. Je pense que ça a fait la progression. J'ai joué 19 ans. Voilà, j'ai pris un carton rouge pour Barcelone et ça m'a coûté une suspension d'avoir joué avec une France et puis basta, c'est tout. Mais voilà, j'ai gagné tous les titres, sauf la bien évidemment. Donc du coup, quel est votre meilleur souvenir? Ouais, non, j'ai tout gagné. Donc, mon début à Lyon, la victoire en championnat de France le cadet en 80 avec Lyon, et puis pas mal d'équipes de champions avec le Paris Saint-Germain, la Coupe d'Europe, le champion de France avec Marseille. Voilà. D'accord. Bon, je vous laisse avec mon prédécesseur. Ouais. Pas de soucis. Merci. Oui, Laurent, excuse-nous. On est obligé de parler un petit peu de Auxerre que tu as entraîné. Quelle réaction ça t'a fait aujourd'hui de voir ce club sombrer quelque part? Bah, je suis déçu parce que y a des gens bien à Auxerre. C'est dommage. Mais c'est un mauvais recrutement. Des gens qui travaillent pas dans le même sens, mais voilà, ça a été pour moi une superbe expérience, j'ai rencontré des gens super sympas. Après, je pense que Auxerre a maintenant un très bon centre de formation, avec un bon président, un bon entraîneur, que je connais, que j'ai côtoyé à Nîmes, bah, j'espère qu'ils vont réussir à remonter en L1. D'accord. Est-ce que tu as eu des contacts dernièrement pour un club ou... Non. As-tu, non, as-tu non, l'envie de revenir? Comment? Avez-vous l'envie de revenir dans un club, si c'est bien, national, les deux? Oui, non, mais j'ai surtout envie de partir à l'étranger. Ouais. Parce que... la musique française me déçoit un peu. Mais voilà. À l'image de Monsieur Philippe Montagnier? À l'image de qui? De Philippe Montagnier, quand il est parti il a eu la chance d'entraîner en Espagne. Voilà. Non, moi je cherche à trouver un bon club pour essayer de repartir et puis de travailler sur la ligne. Vous avez une préférence? Non, non, puisque j'ai pas eu de contact, donc j'attends de vous. Ben, en tout cas, on espère vous revoir sur un banc, parce que vous savez très bien, on veut pas parler du passé, sincèrement, mais vous savez très bien l'affection qu'on a pour vous. Oui, merci. Ça restera à jamais pour les supporters du Paris Saint-Germain, merci, qui étaient là avant l'ère Qatari, puisqu'on peut pas oublier ce qui s'est passé. C'est top des top parce qu'on voit des beaux matchs et on voit surtout des matchs de Champions League qui sont intéressants et j'espère qu'ils vont réussir à aller plus loin que les quarts finales. Voilà. Mais Laurent, est-ce que le seul bémol de ce nouveau PSG, c'est pas le public? Tu l'as connu, le public derrière, à fond? Non, mais c'est vrai qu'après, c'est sûr que c'est un choix de la présidence. Après, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des supporters et des banderoles. Après, il faut qu'ils soient dans le bon tempo, qu'ils ne soient pas comme ça s'est passé à certains moments. C'est vrai que le parc de 91 à 98 n'est pas le parc de maintenant.
affronter la Ligue des Champions. Bon, après, je sais pas si c'est important pour aborder la Coupe des Champions. Je sais que vous avez bien aidé. Vous avez bien aidé à certains moments parce que le Parc des Princes, c'était un stade où les équipes avaient peur de venir. C'est ça qu'on aimerait retrouver aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils ont peur de venir par rapport aux individualités qu'il y a sur le terrain. Mais aussi, c'est cette ambiance qui nous donne des frissons, et vous les joueurs. Ouais, mais après, c'est des choix. Après, il est arrivé des trucs qui sont inacceptables pour le football. Voilà, c'est dommage, c'est triste même, mais... Voilà, j'espère que un jour on verra un parc avec des banderoles, des associations et des fan clubs. Parce que je trouvais que c'était très bien. Voilà, pour le moment c'est pas le but, mais en espérant que ça reviendra rapidement, mais dans un souci de fair play, de sport. De tout ce qu'on aime dans le foot, qui est une sorte de famille et de communion entre les supporters et les joueurs, sans agressivité, sans méchanceté. D'accord, ma dernière question, ça serait sur le fait que, est-ce que tu as des contacts avec Nasser Al-Khelaifi? Est-ce que le club fait quelque chose pour toi de temps en temps? Oui, moi je suis, y a pas mal de joueurs qui sont un peu dans les loges et qui sont invités au stade pour voir les matchs. Et je trouve que c'est très bien parce que ça n'avait été jamais fait avant. Et pour ça, les Qataris sont très bien. Donc personne ne faisait avant les Qataris? Comment? Personne n'a fait avant les Qataris? Non. D'accord. Non, non. Bah, ça, c'est super parce que tu vois, comme tu as un nom pour nous les supporters, ça fait plaisir de savoir que le club... Le club reconnaît ton passé au club et... Ah oui, non, mais avec moi, il n'y a pas de soucis, et avec pas mal d'anciens joueurs aussi qui sont invités à avoir des matchs de Ligue de Champions. Et c'est la première fois qu'ils font ça. D'accord. Ben, en tout cas, voilà. Merci Laurent du temps que tu nous as consacré. Excuse-nous encore. Merci Laurent. Et puis tu t'arrêtes, tu m'oublies, hein, d'accord? Oui, d'accord. Et ce serait un plaisir de pouvoir reparler avec toi de la saison prochaine et du Repas de Saint-Germain. Et merci, et on espère te voir sur un bon très rapidement. D'accord, merci. Au revoir. Merci Laurent. Merci beaucoup. Au revoir.